Bonjour, c'est Ubucraft, bienvenue pour le 16e épisode de Uberly Ubu, mon aventure de survie en mode difficile, une aventure suivie sur Minecraft, et nous voici tout prêts. Nous étions laissés donc à l'intérieur de notre nouvelle maison, avec un superbe bain, plouf, plouf, plouf. Et on va regarder un petit peu sans tomber nos vaches. Ah, et des piafs, super. Nos vaches commençaient effectivement à vivre leur petite vie d'esclaves, de captives, puisque c'est exactement ce qui se passe. Il y a des rats, il y a des loups, la vie sauvage bat son plein. Voilà, on est bien ici. Ouais, je vais laisser ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc on avait fini la nuit, et donc on va attendre le jour, et on va simplement le passer en dormant. Voilà, alors oui, désolé pour le chat, effectivement, il est blindé de messages de mise à jour que je ne ferai pas. Je suis en train déjà de voir, depuis que j'ai passé de 1.4.6 à 1.4.7, à passer maintenant à 1.5.1. Il y a trop peu de mods qui ont été mis directement à jour en 1.5, parce qu'il n'y a pas eu le temps, là, 1.5.1 est arrivé juste derrière. Et bon, c'est pas encore prêt actuellement, il me reste, je crois, 5 mods dont j'attends la mise à jour. Et après, ben, je ferai des essais, effectivement. Notamment Atmos Mob, hein, qui effectivement n'est pas encore à jour pour 1.5.1. Je me suis assez embêté pour le faire fonctionner, pour ne pas le supprimer ensuite. Alors j'ai bien fait de commencer à supprimer l'extension naturelle de... Qui c'est qui bouffe les troncs comme ça? Phénoménal. L'extension naturelle de... Bon sang, du bambou, parce que vous voyez, il y en a plein. Alors, donc maintenant effectivement qu'il ne s'étend plus, ça vaut le coup de l'enlever. Alors le bambou, ben, je vais pouvoir m'en servir pour en faire des planches en fait. Et puis c'est facile à replanter. Voilà, on va en laisser deux, hein, pour que ça repousse un petit peu quand même. Voilà. Mais c'est pas vrai, il y a quelqu'un qui bouffe les arbres, ça commence à m'inquiéter. Qui c'est qui bouffe les arbres comme ça? Vous avez vu ça? Bon sang. C'est assez effrayant. Je me tais parce que je pense que dans cette forêt, il y a des animaux pas beaux méchants. Ça va être beaucoup mieux pour la visibilité. Alors, on y va doucement, les amis. Voilà. Et là, on va raser tout ça parce que je reviendrai pas. Voilà. C'est même pas la peine que je prenne tout, hein. J'en ai déjà beaucoup. Et je pourrais en replanter. Le bambou est vraiment excessif, hein. Je sais pas trop ce que c'est que cet arbre-là, c'est assez joli. Enfin bon, voilà. Pas besoin de bois. Vous voyez qu'il y a quantité de fleurs, hein. Je vais pouvoir faire effectivement des teintures assez intéressantes. Oh, est-ce que tu me lâcherais un œuf, toi? Gentil poulet, c'est cool qu'il y ait des poulets. Bon, il y en a deux, hein, mais... Alors, mon but, c'est justement de ne pas les tuer. Il faudrait que je récolte des graines pour les faire venir. Je les mettrais bien
Oui, mais c'est pas les graines dont j'ai besoin. Allez, les poulets, lâchez-moi des œufs. Ouais. Et si je pouvais un petit peu le... Ouais, le faire tomber. Pour le ramener, j'y crois moyen. Faut le faire tomber, il va pas tomber de toute façon. Oui, ben vous savez quoi, je verrai bien. Je ne prévois pas tout. Il y en a trop. Allez, voilà, c'est les derniers que je prends, ça devient une drogue. Grapes, ouais, pour faire des vignes. Intérêt, bof. Tout ça, c'est de la bouffe, mais je crois que j'en ai assez, la nourriture. Ouais, elles sont pas encore assez grandes. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Parce que c'est pas tout ça, effectivement. Je suis désolé, hein, je suis assez fatigué. Vous devez vous en rendre compte, je suis mou, c'est peu de le dire. Alors, on va un petit peu aménager ça. Voilà, on va faire un petit chemin quand même pour mener là-bas. On va le faire en... Qu'est-ce que j'ai sous la main? Du gravier, ben, ça sera très très bien. Il faut que je mange. Pour manger une pomme. Voilà, donc tac. Donc, on va commencer. Ah! J'ai du lag. Alors, tac. Et ben, on va faire avec le lag. C'est pas bien grave. Ouf, oui, je vais faire un épisode court, les enfants, parce que. Oh. C'était quoi? Ah, c'est le chien qui s'est cassé la figure. Pas très grave. Voilà, donc du gravier tout là-dedans. Voilà, bon, ça rend pour dessiner un chemin de manière très vague, je le referai au besoin. Ouais, le chemin en gravier, c'est un classique, hein. Voilà, je mettrai probablement des panneaux. J'ai peut-être de quoi faire d'ailleurs. Alors, il va me falloir du bois, bien entendu, des planches. 24, ouais, ça devrait suffire. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec mes trucs? Eh ben, vous allez voir. On va déjà récupérer ça. Donc, 2, je peux en faire 4. Donc, on va en mettre un là. Donc à 2 de distance, ça me semble bien. Ah non, il m'en faut 3. Zut. Ouais. Mal joué. Voilà. Ouais, c'est des tout petits lampadaires. Bah écoutez, c'est pas grave, je vais en faire 2. C'est pas bien grave en soi. Voilà, donc là on passe à côté. Ouais, c'est pas mal, voilà. Bon, ça rend de la déco vite fait, hein. Je vous ai dit que j'avais horreur de la déco. Il est possible que je vous l'ai dit. Eh ben, c'était vrai. Alors, voilà, donc comment est-ce qu'on va aménager le reste? C'est quoi ça? C'est un loup, on s'en fout. Il n'y a pas beaucoup d'animaux en fait, hein. Je m'attendais à ce qu'il y en ait plus. Et oh, quelqu'un a déjà essayé de rogner mon arbre. Ça, c'est pas les ratons laveurs, les castors. Ouais, ça me plaît pas du tout, ça, ce qu'ils sont en train de faire à mon arbre.
Non, tu vas mourir parce que t'es déjà à moitié mort. Alors, il y a des loups, mais je m'en fous. Pourquoi il y a autant de loups? Sérieux, je vais finir par en tuer des loups. Alors, on en est où de la journée? On aura bientôt la nuit qui va commencer. Et j'ai pas encore beaucoup visité les choses. On va commencer effectivement à aller voir un petit peu par là. Bon, rapidement, hein, très très rapidement. Il y a beaucoup trop de loups. Pourtant, je les mets vraiment au minimum. Mais il se peut que j'ai tardé. Ah, il y a peut-être quelque chose en dessous. Alors, je surveille l'heure. Voilà, ce sera vraiment un tout petit épisode de rien du tout. Parce que j'avais dit à un œuf dans le précédent que. Je tournerai probablement l'épisode suivant dans la journée. Et ben voilà, c'est fait. Mais ce sera pas un gros épisode, effectivement. Là, il y a cochon. Bon, je retiens. Une grotte. Des champignons. Ouh, tiens, une jolie petite construction naturelle avec un surplomb de terre. Voilà, oh là, regardez, voilà. Voilà pourquoi j'ai horreur, effectivement, du bambou. Enfin, j'ai horreur, non, c'est pratique, mais. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, de la savane. Intéressant, intéressant. Avec des bisons qui sont une source importante de nourriture. J'avais déjà vu ça, j'en sais trop rien. Mais écoutez, je suis content de m'en être rappelé. Il me faudra un truc à distance pour les tuer, parce qu'autant ils sont inoffensifs, forcément je commence à les taper, ils se défendent, et ils se défendent fort. Ouais, j'ai une armure, mais pas à ce point-là. Alors je ramasse des œufs, ça c'est bien. Alors, il m'en faudrait plus. Ouais. Ça, c'est super. Mais qu'est-ce qu'il y a comme. Non, c'est pas un poulet, c'est un chien. Enfin bon, c'est bien. Et je vais me faire surprendre par la nuit, me semble-t-il. Donc, on va rentrer. On va mettre le turbo. J'ai encore de la satiété, donc je vais pouvoir. Allez. On va mettre le turbo dans l'eau. J'espère qu'il n'y a pas de requin. Quand même remonter parce que bon, ça devrait le faire, mais alors attention, j'ai un petit peu peur des monstres qui vont me tomber dessus. Alors vite, pas de loup-garou hein, s'il vous plaît, pour l'instant il n'y a personne. Ah. Ouais, il n'y aura pas trop de pop ici parce que j'ai mis effectivement les lampadaires. Mais. On va observer ça d'en haut. De toute façon, l'épisode bientôt fini, c'était vraiment juste pour dire que. Et on va un petit peu organiser les coffres. Voilà. Alors, notre petit point d'observatoire, ben, finalement, c'est là. Et il n'y a pas grand chose, hein, il n'y a pas de monstre. Je suis étonné. Si, voilà, il y en a. Là, c'est un scorpion. Je suis peut-être un petit peu pressé aussi, hein, c'est possible que je sois pressé. Non, il n'y en a franchement pas beaucoup. Bon, bah écoutez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce bambou? Alors déjà, on va le transformer en planche de bambou. Donc il y a ces planches-là, et une fois qu'on les a, on peut les retransformer en planches de bambou. Donc dried, c'est séché. Et on peut même encore ces planches séchées les transformer en chêne. Voilà, on va. Voilà, on a fait le maximum. Donc le bois, ce sera là. Et j'ai déjà pas mal de bambou. Alors je peux compresser des planches au besoin. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas tout garder sous cette forme-là. Ouais, parce que sinon je vais avoir du mal. Alors pour l'instant, je vais les laisser. Mais à un moment donné, il faudra que ça parte. Hein. Ça, c'est obligé. J'ai gardé ce bois-là. Firlog, je vais le remettre. Et on va voir ce qu'on peut faire. Il faut que je fasse des blocs de charbon. Alors les œufs, j'en ai 5. Hein. Ça n'avance pas vite, pas vite.
Fear Leaves, j'ai pas de place pour le reste. Et j'ai beaucoup trop de ces machins-là. Je vais les mettre dans les fours, vous savez quoi, ça fera du combustible, après tout, ça sert à ça. Ah oui, il y en a déjà. On va en remettre là. Je vais en mettre dans le four aussi. Voilà, on va essayer de répartir au maximum pour optimiser. Alors du coup, j'ai récolté une place grapes, on va les mettre là. Voilà. Ça c'est bien. Les os, c'est dans 10 verres. Et voilà, je crois qu'on a rangé à peu près notre inventaire. Les fourrures, c'est dans les 10 verres. Les graines de soja, elles existent déjà. Voilà, j'ai mes planches, j'ai quantité de bois. On va faire des blocs de charbon. Alors je peux les cuire aussi, hein, les blocs de charbon, si j'ai besoin. Voilà, et le reste, on le laisse. Voilà, 12, c'est assez. Bloc de charbon, il était ici. Voilà, 6 de plus. Bon, bah écoutez, là, je suis vraiment paré, il n'y a rien à dire. Les flèches, j'en ai toujours beaucoup, beaucoup trop peu. 7, ça va franchement pas vite. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je suis bien obligé d'attendre. Les outils, pour l'instant, prennent pas trop de place, mais au besoin, je les déplacerai. Je préfère une épée, je pense. Ouais, regardez. Shark Sword, je peux même faire de l'armure. 1, 2, 3, 4 et 3 bâtons. Et là j'en ai 6. Oui, je peux aussi faire une pièce d'armure, je peux faire un casque, des bottes. Bon, j'aviserai selon. Toc toc toc, je vais compresser encore un tout petit peu de terre. Voilà, on va faire de la terre compressée. Voilà, on a tout rangé, notre inventaire est propre. Il y a toute l'eau de terre qu'on n'a pas compressée, c'est pour ça qu'on n'a pas de place. Il faut que je fasse mieux que ça. Voilà, regardez, ça va tout de suite aller mieux. J'ai récupéré facilement deux emplacements. On va peut-être en remettre un parce que 17 encore. 26, voilà, 26 c'est suffisant pour faire 2-3 choses. Voilà, on commence à récupérer petit à petit de la place. Va falloir que je fasse quelque chose pour ça, mais je ne sais pas encore quoi. Voilà, c'est déjà suffisant, je peux encore compresser du bois. Celui-là, je peux pas le compresser malheureusement, je le regrette. Mais bon. C'est déjà pas mal. Voilà. Alors, ça, on va le garder. Oh oui, je sais pas trop quoi ça peut servir. Non, on va le laisser. Aucun intérêt. Voilà, on va de nouveau passer. Ouais. La nuit. Et on va se retrouver sur le matin et on va se laisser là. Comme ça, on commencera effectivement le prochain épisode le matin. J'aurai une semaine assez mouvementée. Je pense que la suite sera à nouveau. Malheureusement, je m'en excuse, pas tout de suite. Mais je suis bien en sneak, hein. Oui, j'étais pas sûr que je m'arrêterais. Bon, il y a quand même peu de monstres, hein. Je crois qu'il faut vraiment que je m'éloigne du biome pour recharger un petit peu tout ça. On verra. D'ailleurs, je vais juste trouver une utilité. Ah mais non non mais barrière, rien du tout, j'allais dire une bêtise. Voilà. 12, 12, hop, plein de torches. Voilà, un inventaire propre. On va utiliser des pommes, je vais manger totalement. Ensuite je vais boire. Voilà, je suis un peu malade. Ouais, pendant 15 secondes, c'est pas bien grave. Voilà, les amis.
Je suis fin prêt. Hop. Et je vais vous laisser. Je vous embrasse. À la fois d'après. Je ne sais pas quand ce sera. Je vais voir déjà le temps que je mets pour comment dire, encoder la vidéo et pour la mettre en ligne. Voilà. Ciao, ciao les amis.